suis aussi sauvage que le faucon fort des rochers. Mais êtes-vous sûr que Bénédicte aime si profondément Béatrice? Oh, c'est ce que disent le prince et le seigneur, mon fiancé. Et ils vous ont chargé de lui en parler, madame? Ils m'ont prié de l'en instruire. Pourquoi cela? Ce gentilhomme n'est-il pas digne d'un lit aussi privilégié que la couche de Béatrice? Oh, je crois qu'il est digne de tout ce qui peut être accordé à un homme. Mais la nature n'a jamais fait un cœur de femme aussi fier que celui de Béatrice. Le dédain étincelle dans ses yeux. Et son esprit s'estime si haut que pour elle, toute autre chose est chétive. Elle ne peut aimer ni concevoir aucune pensée affectueuse tant elle est prise d'elle-même. Quoi? Tu rouvres les yeux? Oh, cher seigneur, quand nous sommes partis pour la guerre qui vient de finir, je regardais les héros avec un œil déjà tendre. Pourquoi pas? Est-ce que tout sur la terre ne crie pas d'Athènes sur elle? Mais j'avais alors, sur les bras, une trop rude tâche à venir pour me consacrer à cette tendresse et l'élever jusqu'au rang de l'amour. C'est ma fille! C'est elle qui est tombée dans ce bourbier! En sorte que la vaste mer n'a pas assez de gouttes pour la laver, ni assez de sel pour rendre la pureté à sa chair souillée. Maintenant que je suis de retour et que les pensées belliqueuses ont laissé dans mon esprit une place vacante, une foule de désirs doux et délicats viennent s'y loger. Tous me rappelant la beauté de la jeune héros. Et ma tendresse n'est pour elle avant notre départ. Être morte grâce à nos affirmations au moment même où elle était accusée, elle sera pleurée, plainte et excusée de tous. Lorsque Claudio saura que ses paroles l'ont tuée, l'idée d'héros vivante se glissera dans le laboratoire de son imagination. Alors, il se désolera et regrettera de l'avoir accusée. Oui, l'accusation lui parut-elle juste. Mais quand même, ce but ne serait pas atteint. Dis-moi, la mort supposée de votre fille est un brave scandale de son infamie. Cet espoir même fut-il déçu? Vous pourriez toujours la cacher dans une existence recluse et religieuse, à l'abri de tout regard, de tout souvenir et de tout affront.